Dans l'idée pour porter support par les gens qui plus vulnérables la bio pendant le passage maladie coronavirus qui a fait rage dans le monde, la Fondation PESDIO a commencé à passer à plusieurs familles et fait recevoir un kit alimentaire qui a permis à les gens de nourrir les familles pendant quelques jours et de recevoir un cachet qui a aidé à préserver la tête contre la maladie coronavirus. La Fondation, malgré faible moyen, a décidé de te garder, fait un pile effort pour passer dans Delmadé et dans la commune Fodeneg, sous zone Cocoyer-Maigrette, Baron, Kajako, Bouzi et Diverger. Maître François Bléus, qui est vice-président de la Fondation, a dit nous plus. Salut tout le monde, vous avez regardé la vidéo. Donc, c'est la Fondation Bézioué qui débarque dans Pélissier, côté que nous venons porter solidarité avec quelques familles. Donc, nous connaissons. J'en principe je dis là, donc à partir de qu'on a eu ça, et il va gagner en pile, ça me fait dire, il dit pas grand pile grand goût. Donc nous-mêmes, nous prenons devant nous, voulons partager ça nous gagner avec la population de Nègre. Donc nous faisons ça déjà du côté de Delma 2, donc c'est une base fondation. Donc on est dans la commune de Nègre. Nous avons pris ce côté que nous voulons partager quelques petits bagages avec deux trois familles parce que. Pour vraiment des moyens, donc c'est une fondation qui est jeune, donc nous décidons de lier important pour nous accompagner la population de façon que nous capable. C'est dans ce sens-là, je dis à la policiers, nous devons nous aller Baron, nous devons aller Diverger, nous devons aller Luzi pour faire même geste là. Donc ça, nous côté pour nous, c'est pas grand-chose, nous pensons aller nous parler avec surtout nos cachets, parce que cachets à lui-même c'est extrêmement important, donc c'est ce qui permet de lutter contre Covid-19 là. Donc nous pensons. C'est très petit, mais j'ai ça compté pour nous en pile, parce que nous sommes une jeune fondation. Donc nous voulons porter support nous, by la population pour les nègres. Pour que nous voulons partager ensemble avec eux. Donc en ce sens, nous débarquons ici à là pour nous faire distribution ça. Et moi-même, je suis vice-président de la Fondation Bézioué. Donc nous avons le président qui va là, donc avec notre membre comité qui va là. Donc moi, je souhaite que la population va recevoir là pour nous petit coulier. Donc parce que c'est solidarité que nous avons voulu porter. Fondation, malgré pas demander aide personne, mais il y a quelques monde qui ont décidé de participer volontairement pour que le projet soit réalisé. Je remercie Mme Yolande Saint-Robert, Emilienne Meillan, Daron, Solange Bruno et Ben Kola. Je nous ai dit l'avant, Fondation n'a pas seulement fait distribution dans Fondeneg. Nous avons passé avec quelques familles dans Delma 2 en autant de secrétaire Fondation, qui c'est Daphné Jean-Mauril, qui a dit nous des mots. Bonjour, bonsoir. Jeudi à ce lundi 25 mai, Fondation Bézioué était ensemble avec nous dans la communauté pour être capable de continuer avec ensemble d'activités qu'on a réussi à réaliser et dans la zone. Ça fait bien longtemps depuis qu'on n'a pas qu'à fonctionner, mais nous pas arrêter de garder sur ça, nous te permettre que les jeunes soient capables de faire activité pour être capables non seulement sensibiliser au sujet du corona, mais bailler des kits tout. Quelque chose qui est capable d'aller pour manger la caillou. Parce que nous connaissons que les conditions socio-économiques sont extrêmement difficiles, mais la fondation n'est même pas arrêtée chita, pas arrêtée garder, avec ça, elle gagne, elle partage ensemble avec les parents de la côté nous recevoir un kit pour y aller fonctionner la caillou. Mais non seulement nous avons un kit, mais nous avons cacher tout, nous recommandons pour mettre cacher pour capable protéger tout. Mettre Belle Bois et Delve sous deuxième section Baron, dites-nous comment vous êtes conseillé à la distribution ça. Et nous remercions Fondation Bézioué et pour support porté pour et population surtout et deuxième section plus précisément dans et localité du Toyac qui et après mise à recevoir et quelques barrages et des populations qui vraiment une situation difficile. Si nous sommes dans un moment où on a vu cela et qu'on n'a pas encouragé la population pour porter des masques pour laver les mains d'une façon à ce que pour protéger la tête contre les maladies qui sont et qu'on a le virus de COVID-19. Nous disons merci à la Fondation et merci à tous les amis qui pensaient avec et les démunis pour les gens qui sont vulnérables dans un moment très difficile qui est le coronavirus. La Fondation Bézioué promet nous, il ne peut pas blaguer nous, il a profité de faire nous connaître. Qu'on n'a pas une politique qui réellement existe, c'est nous qui pouvons prendre précaution. Il y a un reportage Gibson Jean-Baptiste pour Pacific Film Production Média en ligne Fondeneg.